Jeu de Dames, c'est une association. C'est une association de femmes. C'est une association de liens communs, de passions communes. C'est une association qui permet de nous réunir et de partager ensemble des moments exceptionnels comme ça. Ça permet aussi de ne pas être seule dans son atelier. C'est aussi un partage d'expériences. C'est aussi un partage de création. On peut créer à plusieurs. Jeu de dames, c'est aussi bon, c'est la vie de tous les jours, mais c'est la vie entre les femmes aussi. Je me suis intéressée à un concept qui est le bijou narratif. Et donc, en fait, chaque bijou a une petite histoire cachée derrière. C'est un biscuit de porcelaine que j'ai taillé pour imiter la glace. J'ai fixé dessus une météorite qui a été retrouvée au Mexique, à Campo del Cielo. Et j'ai voulu faire une bague, justement, qui évoquait cette recherche de l'eau et de la vie sur une autre planète. Ce que j'aime bien faire, c'est ramasser un peu tout ce que je trouve dans le coin, des végétaux notamment, et après j'utilise ça pour faire mes peintures. J'ai une collection qui est faite à partir de plaques de bouchons de champagne, ce qu'on appelle des plaques de muselet. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, je peux vraiment faire des bijoux événementiels. C'est-à-dire, si on ouvre pour les 18 ans de la Grande une super bouteille avec une très belle plaque de champagne, je peux faire un bijou commémoratif en fait, de cette date. Je travaille avec des plumes d'oie, beaucoup. Voilà, donc là, je les ai transformées en forme de pétales avec une colle à plumes. Et puis ensuite, donc, sculpter un petit peu de différentes manières pour faire un montage en forme de fleurs. Alors, je trouve que l'association est géniale, elle est hyper dynamique, il y a une énergie qui fait que ça booste toutes ces femmes. Et je pense que ça aide beaucoup les femmes aussi à faire un pas en avant vers le domaine artistique. J'adore, c'est vraiment un regroupement d'artisanes avec lesquelles on a vraiment plaisir à se retrouver sur les événements. Il y a beaucoup de bienveillance et d'entraide entre nous en fait. Eh bien, Jeu de Dames, j'apprécie beaucoup l'association, l'ambiance qu'il y a. Et j'aime bien aussi l'état d'esprit, c'est-à-dire le fait de rendre l'art accessible à tout le monde. Souvent, on travaille dans son coin, on est un petit peu seul. Et là, on voit tous ces artistes femmes qui font de très, très belles choses dans tous les domaines. Et donc ça, c'est formidable. C'est un grand merci à Sophie. Ça nous valorise beaucoup.